Yolana, cher futur moi, j'espère que tu vas bien. C'est moi, Heiterani, je sais, je suis toi, tu es moi, on est nous, même personne, disons des cas. J'espère que la vieillesse, ça va, tu t'y fais et que bah, les années t'ont fait du bien. Je t'ai montré le background parce que voilà, non, t'as dû reconnaître. J'ai mis mes plus belles photographies sur lesquelles tu vas trouver soit une personne que j'aime, soit un lieu que j'ai visité, que j'ai adoré, soit un souvenir tout simplement que je chéris et que j'espère que tu continues à le faire. J'ai écrit Dream Big et pourquoi? Tout simplement parce que c'est mon mantra, en plus de Hakuna Matata. parce que voilà, je suis une grande rêveuse, j'aime rêver grand, j'aime rêver beau, j'aime rêver parfois même l'impossible. Et y a rien de mal à ça, les rêves n'ont pas de limite. J'espère que tu continues à rêver beau, grand et aussi fou que moi. Je sais pas, parce que je sais pas, ça fait combien de temps maintenant que je rêve de venir ici en France, faire mes études et tout. Et j'y suis en France, je vis mon rêve, je vis notre rêve. Et voilà, c'est une expérience incroyable et je suis contente de vivre ça pour toi parce que c'est quelque chose qui te sert. Certainement, qui t'a servi dans ta vie. Donc c'est 2020, on vient de sortir du confinement et en fait, bah, le confinement, ça m'a donné bah, tout le temps du monde en fait. Et quand je l'utilisais pas pour regarder des séries, bah, j'ai utilisé pour réfléchir à qui je suis aujourd'hui, où j'en suis dans ma vie et surtout où est-ce que je souhaiterais être plus tard. En venant ici en France, il y a une chose dont je me suis rendu compte. Et ça me fait mal, et ça me fait mal de l'admettre, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas su apprécier à leur juste valeur quand j'étais à Tahiti, à Langui, en Polynésie. Parce que franchement, nos îles, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, la culture, elle est formidable, notre langue, elle est magique, notre magique. Et aussi, j'espère que du coup, t'as appris le thaïsien. J'espère que t'es quand même une boss en thaïsien maintenant. Tellement boss que tu peux taper la converse avec mamie tranquille. Et papa et maman aussi. Parce que tu sais, moi là maintenant, je comprends le thaïsien et tout. Je peux faire quelques phrases. Mais voilà quoi, je suis pas au top, top, top. J'espère que tu t'es amélioré et que tu déchires là en Ryoma. Oui, franchement, si c'est le cas, je t'applaudis. Respect à toi. J'espère aussi que t'es une boss en ukulélé parce que bah, là, moi, je m'entraîne, tu vois, je suis en train d'apprendre et tout. Et que t'es carrément top, 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 tellement top que tu peux rejoindre Tonton et Tati pendant les bringues et chanter et danser avec eux, jouer avec eux. Et aussi, bah, un de mes plus grands rêves, sûrement dans le top, top, top 2, tu vois, ça serait de voyager, de faire le tour du monde, mais aller absolument partout. Voyage, voyage, voyage beaucoup. Mais n'oublie jamais le chemin du retour à la maison. Parce que la Polynésie, ça restera toujours mon chez-moi et ton chez-toi. Voilà, n'oublie pas la famille parce que c'est important et c'est un autre truc dont je me suis rendu compte, c'est que, ben voilà, ici en France, je rate beaucoup de moments importants ou marquants de leur vie. Et ouais, genre, je peux célébrer un petit peu par vidéo. Mais j'aimerais bien être là avec eux et célébrer avec eux en live quoi et puis voilà et bien profiter d'eux et tout donc profite s'il te plaît profite de notre famille et aussi bah je sais que tu les aimes donc n'oublie pas de leur dire que tu les aimes sans cesse c'est important d'avoir les courses et je voulais en fait aussi profiter de cette vidéo pour te dire si jamais tu te trouves dans un état pas bien dans un l'endroit un petit peu obscur, tu sais, dans ta tête, ça va pas trop bien, ou tu te sens down, tu doutes de toi et tout. Ben, je veux te dire, s'il te plaît, doute pas de toi, aie confiance en toi, toujours, parce que je sais que tu es capable d'accomplir de grandes choses. Je sais qu'on est capable d'accomplir de grandes choses. Je crois en moi, je crois en toi, je cesserai jamais de le faire. Dernier mot. Deux mots. Hakuna Matata. Quelle phrase magnifique. Bye bye, nana, pareil. Regarde-moi, te souviens-tu? Toutes ces joies, toutes ces peines qu'on a vécues. Cher futur moi, que suis-je devenu? Est-on parti? Ai-je changé? J'étais perdu, m'as-tu trouvé? Cher futur moi, jumeau lointain. De moi à toi, à
à quoi ressemble le